Bien bonjour à tous les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, c'est la suite de la série sur le mode pro team du jeu Tour de France 2021. C'est l'avant-avant-dernier épisode, donc l'antépénultième épisode de la série sur le mode pro team, 64e épisode, un truc du genre. Alors, je m'étais fixé quand même, notamment sur le 2019 ou même le 2020, d'atteindre les 100 épisodes. Sur le 2019, j'ai arrêté aux alentours de la cinquantaine, hein, mais de toute façon, bah, j'ai pas encore commencé la chaîne à l'époque. Et puis, bah, côté Tour de France 2020, on était à 61 épisodes. Là, on va encore en faire plus. Allez, derrière, hein, on va avoir du mal à revenir. Ah, mais c'est bon, Binyam Guermet. Il est en défaillance, celui qui a remporté Gant World Game cette année. D'ailleurs, on va juste donner à tous nos coéquipiers le gel bleu, etc. et leur dire de rouler à 100% quand même. Au moins pour rester bien positionné. 2 km 300 avant l'arrivée à Brioude. Pourquoi j'étais devant avec Démarre? Tout simplement, je lui ai dit de suivre les attaques dans la dernière difficulté. Enfin, pas dans la dernière difficulté, dans le final. Et finalement, il avait suivi Guermain qui avait attaqué et qui était revenu sur Paris-Pont à l'avant. Et Paris-Pont aura le maillot pour la fin d'étape. Allez, Démarre, on a fait un mauvais sprint intermédiaire. Là, va falloir se ressourcer avec Arnaud Démarre. On va lancer notre sprint par le centre de la route ici avec Arnaud Démarre. Normalement, on est plus rapide au sprint que face à Diego Ulissi. On va lancer notre sprint. Ulissi qui est très fort, Michael Matthews aussi. On va revenir, on a moins de puissance et on va se faire enfermer pour finir 12e. Honnêtement, j'ai pas compris, mais c'était impossible de dépasser parce que généralement, vous me dites, oui, j'appuie pas assez fort sur la gâchette. Alors là, j'ai appuyé fort et mon mec, il passait toujours pas. Et surtout qu'on pouvait pas passer. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour, Nasser Bouani. Nasser Bouani qui s'impose pour l'Arca Samsic, qui prend le maillot jaune, qui prend le maillot vert aussi, le maillot à pas pour Aurélien Paré-Pinte et le maillot blanc pour Stéphane Bischeger. Ça nous fait quelques points quand même au classement pro cycling par équipe. Le fait de prendre, de finir meilleur grimpeur d'une étape, même si on n'a aucun coureur qui est bien placé, avec Nasser Bouani, le français de l'Arca Samsic, en 3h36 et 50 secondes, qui prend 10 secondes de bonification dans le même temps, et il prend 6 secondes de bonification l'Australien Michael Matthews de la Bike Change pour la BNB Hotel KTM. Brian Cocker, le français, qui finit en même temps 4 secondes de bonification, et c'est l'Australien Michael Matthews. Une bonne place pour BNB Hotel. Donc forcément, classement général, c'est Nasser Bouani en 3h36 et 40 secondes, le français. D'ailleurs, j'ai pas dit si il faut que je reprécise peut-être pour la seconde avant que c'était un français. Pour la Arca Samsic, leader du classement général, 3h36 et 40 secondes. Ah, bon, il y a 10 secondes de bonification qui aide. À 4 secondes, on a Michael Matthews, l'Australien de la Bike Change. Et à 6 secondes, du coup, Brian Cocker pour la BNB Hotel KTM. Ah mince. Côté classement du meilleur grimpeur, Aurélien Paré-Pinte, le français de la Cyclisme 3D Team, notre équipe, à 9 points. Michael Matthews pour l'IF Education, Nippo. Michael Valgren, pardon, le danois à 5 points, le français Aurélien Paré-Pinte en tête. Et le lituanien Edvadas Siskevicius pour la Delco Marseille Provence KTM, enfin pour la Delco. 2 points. Côté du classement par points, Nasser Bouani, le français de l'Arca Samsic, 53 points, 38 points pour Michael Matthews pour la Bike Change Australien. Et puis Brian Cooker, le français de la BNB Hotel KTM, à 30 points. Côté classement des jeunes, Stéphane Bisseger en 3h36 et 50 secondes pour l'AIF Nippo, le Suisse, dans le même temps que Fabio Jakobsen, le néerlandais de la Deceuninck Quickstep, assez étonnamment. Derrière Bisseger et Jonas Vingegaard. Vingegaard, le danois de du team Jumbo Visma, dans le même temps également. Côté classement par équipe, la Movistar en 10h50 et 30 secondes, dans le même temps que la UAE Team Emirates, l'Arca Samsic, eux sont dans le même temps également. L'équipe française, la UAE, c'est une équipe Emirati, et puis les Espagnols de Movistar en tête. Côté classement de la combativité, Aurélien Paré-Pinte, le français de la Cyclisme 3D Team, notre équipe du coup, en 120 km, 57 km pour Michael Valgren, le danois de la IF Education Nippo, et puis à 33 km, Edvardas Siskevicius pour la Delco Marseille Provence KTM, le lituanien. Première étape, pas ouf, honnêtement, pas ouf hein, aujourd'hui, mais bon, c'était prévisible. De toute façon, franchement, ça sent la fin de TDF approcher. De toute façon, moi, il me reste plus grand chose à faire sur le jeu, honnêtement, je vais pas vous le cacher hein. Il me reste juste 2 trophées, j'ai le platine. Donc forcément vous vous doutez que là j'ai surtout envie de terminer le jeu. Surtout que bah dans moins d'un mois hein,
Dans un tour de 4 semaines, on sera sur les nouveaux opus. Mais pour le moment, ça passe encore, tu vois. Je vais revenir là-dessus juste après dans le final. Non, en vrai, on va peut-être pouvoir continuer. Mais honnêtement, pour le classement Pro Cycling individuel, le français joue un feedback de Koenig Quickstep, 840 PPC, 839 PPC pour le Slovène de du Team Jumbo Isma Primoz Roglic. Et Wout van Aert, le belge du Team Jumbo Isma, à 799 PPC. Au classement Pro Cycling par équipe, la cyclisme 3D Team plus 4 PPC, 1988 PPC. La Jumbo Visma, deuxième, les Néerlandais à 1672 PPC plus 4 PPC aujourd'hui. La de Koenig Quickstep, les Belges à 1599 points. Les Néerlandais, la Jumbo Visma et les Français de la cyclisme 3D Team. Et puis à la FIP, le Français, le Slovène Primoz Roglic et le Belge Wout van Aert. Au niveau de l'étape prochaine, parce que j'ai pas, je me souviens plus trop du parcours. Ouais, c'est bien l'arrivée à Rodez, puis après c'est Bagnères de Luchon et Plateau de Bagne. On va pouvoir discuter un peu. Alors qu'on part de la Guiole, donc la ville qui fait les couteaux, mais couteaux qui ne seront pas reconnus au nu d'appellation d'origine protégée. Bref. On a deux coureurs de notre équipe dans les favoris de l'étape. Alors oui, mais Aric Arnaud démarre, on s'est un peu sabordé dans le final de l'étape précédente, donc voilà. Mais que des équipes francophones dans les favoris, en tout cas leurs sprinters. On va pouvoir un peu parler parce que comme je vous l'ai dit, franchement on est à 4 semaines, un peu moins de Tour de France 2022. Je tourne et la vidéo sort normalement le 12 mai 2022. Non, bah non, vous, elle sort le 13 mai, pardon. Oui, le 13 mai pour vous et moi c'est le 12 mai 2022. Assez particulier, je vais pas vous le cacher. Parce que franchement, on est, comme j'ai dit, à 4 semaines de la sortie du jeu Tour de France 2022. Et pour le moment... Bonjour et bah... Alors, les informations qu'ils ont données, c'est assez intelligent. Assez intéressant, effectivement. Déjà, l'arrivée de la Kube, de la Carrara RGA, de la Uno X, de Eolo Cometa, le rajout de Milan San Remo. Après, je me souviens plus trop de tout ce qu'ils ont rajouté. Si, il y a... Il y a le pont avec le vent, ok. Bon, forcément, les 21 étapes. Il n'y a rien sur le Pro Team et le Pro Leader. Par contre, si, il y a des challenges toutes les semaines. Ouais, et après, je me suis un peu spécialement dénoté. C'est vrai qu'il faudrait que je retrouve normalement les nouveautés, mais c'est pas le jeu où il y a le plus de nouveautés. Stéphane Bischegger qui va à l'avant. D'ailleurs, il y a quoi d'autre aussi en nouveauté? Je me souviens plus. Non, en vrai, c'est à peu près tout. C'est San Remo, mais ça on le savait à 10 000 km. Enfin, on le savait dès l'année dernière. C'est du coup Eolo Carrara Rural Uno X rajouté. Et généralement aussi, à peu près, le jeu là qu'ils vont rajouter toutes les semaines. Alors, honnêtement, ce qu'ils vont mettre, enfin les challenges toutes les semaines, je vais essayer de voir. Hein, y participer, il y aura peut-être 2-3 vidéos là-dessus et encore. Mais je vous prépare toujours le programme de vidéo. Mais comme je vous ai dit, à peu près comme l'an dernier, à peu près comme en 2019, et bah franchement, la hype elle est pas au maximum. C'est à dire que oui, j'ai hâte quand même forcément d'être sur Tour de France 2022, mais c'est pas comme en 2020 où 2020 c'était, j'allais dire noir sur blanc, non, mais c'était matin, midi, soir, TDF. Voilà, c'était TDF, je pensais qu'à ça du matin jusqu'au soir. À la sortie TDF 22, j'étais pas non plus à compter le nombre de jours. Mais déjà le programme de vidéo je fais une fois généralement, à le réécrire je l'ai fait trois fois avec le décalage etc, mais du Tour de France, mais j'étais à fond dans le jeu et puis aussi pour le refaire au propre, mais vraiment j'étais à fond. Et puis même une fois j'avais fait en perm aussi je crois une fois, mais franchement j'étais à fond sur Tour de France 2020. Je pensais qu'à ça, qu'à ça à te faire énormément de vidéos, même t'en rajouter, t'en faire 2-3 par jour, enfin c'était n'importe quoi. Mais franchement j'avais plus hâte que cette année ou que 2021. Alors est-ce que c'est la maturité? Non, parce qu'en 2019 aussi c'était un peu dans le même ordre. C'est à dire franchement pour le moment ça va. Sur le jeu je peux m'en sortir. Enfin j'ai pas trop de hype. Alors le jeu évidemment j'ai hâte d'y être, hein, comme je vous l'ai dit. Évidemment je vous prépare plusieurs vidéos. Je pense notamment au Pro Team et au Pro Leader qui seront là forcément comme d'habitude. Vous doutez, il y aura une présentation aussi comme d'habitude. Enfin une découverte. Il y aura, vous doutez bien, le championnat du monde habituel avec Julien Lafitte en début de jeu. Le Pro Team, le Pro Leader, à peu près, ça ressemblera un peu l'an dernier. Évidemment, un truc qui vous avez énormément plu, c'est grâce à cette vidéo aussi qu'on a dépassé les 100 abonnés il y a presque un an. Je veux bien sûr, évidemment, parler Je
je veux bien sûr parler. J'ai oublié le nom. My Tour 100% montagne. Alors, est-ce que je le ferai avec Romain Bardet cette année? Je pense en vrai que oui. Ça dépend la startlist qu'il y aura sur le Tour de France pour la DSM. Mais dois-je vous avouer qu'un petit My Tour 100% montagne avec la DSM, ce serait pas de refus juste pour Romain Bardet. C'est vrai, juste pour Romain Bardet. Mais franchement, en vrai, je suis tenté quand même par Romain Bardet. Puis pour le Tour de France, je sais pas du tout qui prend. Honnêtement, pour le Tour de France, Bahreïn, en vrai, Bahreïn. Ah non, Bahreïn, il n'y aura pas de sprinter. Mais en vrai, avec Caruso et tout, ça aurait pu être grave stylé. Non, en vrai, Bahreïn, j'ai vite écarté l'hypothèse. Après, Trek, Segafredo. C'est vrai, parce que certains vont me dire que je suis tout le temps les mêmes équipes. Mais Trek, honnêtement. Généralement, des fois, quand. C'est vrai que généralement, quand je prends une équipe, le leader il gagne pas forcément. Hormis quand j'ai fait championnat du monde. C'est pourquoi je vais pas prendre de coureurs français normalement cette année. Enfin. D'équipe française ou quoi. Alors c'est vrai que je risque de faire un tour sans, enfin le tour en intégralité avec Romain Bardet, c'est vrai. Mais généralement je fais aussi avec Nibali. Et en plus vu que Nibali hier au moment où je tourne il a annoncé sa retraite, c'est vrai que ça aurait plus de sens de le faire avec Vincenzo Nibali cette année. Mais j'ai envie d'avoir une équipe vraiment avec comment expliquer, avec tous les pas tous les coureurs, mais vraiment une équipe où j'ai envie où je peux me faire plaisir. Et tous les jours, jouer les sprints, etc. C'est pour ça quoi. En vrai, Astana, il y a que il y a Lutsenko, il y a Nibali, Lopez, et puis c'est tout. Trek, il y aura Kenison, et puis Boku Molema, et encore, et Chikone, potentiellement. Juan Pedro Lopez, je sais même pas s'il y en a qui doubleront dans cette équipe. DSM, peut-être qu'il y aura Casse-Ball, c'est vrai qu'il y aura potentiellement Casse-Ball. Mais il y aura pas que Casse-Ball, évidemment, hein. Je pense notamment, oui, il y aura Casse-Ball, il y aura peut-être Casse-Ball, Romain Bardet, etc. En vrai, je sais pas. De toute façon, j'ai encore du temps pour me décider, mais j'hésite entre Astana, DSM, Trek et peut-être Bahreïn. C'est pour ça que tout le monde dit, vous direz à force que je passe mon temps à penser à prendre Trek. Non. Également, peut-être en vrai de Koenig, je sais pas. Alors, le jeu, quand tu lui dis. Non, mais parce qu'au jeu, quand tu lui dis de suivre les attaques. Qu'est-ce qui fait ce jeu? Bah, il te met en 60e position. Évidemment, on apprécie guerre. Surtout au fait rajouté qu'il te mette en 60e position et que l'échappée va aller au bout. C'est toujours une très belle chose, hein, évidemment. Hein, l'échappée qui va au bout, pourquoi pas. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeu. Surtout qu'à un moment, j'avais essayé de faire le forcing après vous avoir quitté avec Paris-Pain. Mais finalement, on nous a dit que le maillot à poids, on n'allait pas le perdre. Bah, finalement, on est en train de se faire piéger, même si devant. Bon, finalement, on est revenu à 18 secondes, donc c'est pas si grave que ça, mais on est quand même à 3,5 km. Même s'ils vont peut-être craquer, surtout que généralement, il faut un minimum 20 secondes pour pouvoir tenir dans le jeu par rapport à un sprint si t'es en défaillance ou même si t'as plus de barre rouge. Un savoir-faire qui date de Tour de France 2015, Tour de France 2018, Tour de France 2019, Tour de France 2020 et Tour de France 2021. À peu près. En l'occurrence, allez, on est là de retour avec. Arnaud démarre la flamme rouge ici. On va devoir commencer à lancer notre sprint. Et on va le lancer notre sprint maintenant. Mais on va perdre des positions parce que Descoeur nous bloque comme d'habitude, évidemment. Sinon ce serait pas drôle, lol. Oh, Descoeur il est fort, on a pris la bonne. Ou peut-être avec Descoeur. Avec Arnaud démarre, on a du mal à le dépasser. Descoeur, mais on va peut-être le faire là. Il va rester 400 mètres, 300 mètres. Arnaud démarre 200 mètres, 100 mètres. Ah, on va craquer totalement. On va finir 3ème quand même. Ah, 4ème ou 3ème, je sais pas. Ah, dommage. On était très bien. Mais finalement, on craque avec plus de barre rouge. Peut-être parce qu'on lance avant la flamme rouge. Mais si on n'aurait pas lancé à ce moment-là, ça aurait été largement plus compliqué. Donc je sais pas, honnêtement. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Fabio Jakobsen, le maillot jaune est toujours pour Nasser Bouhanni. Et le maillot vert toujours sur les épaules de Nasser Bouhanni. Le maillot en poids toujours pour Romain Bardet. Et le maillot blanc pour Fabio Jakobsen. De toute façon, il y avait une seconde d'écart entre lui. Enfin, il était, pardon, dans le même temps que Stéphane Bisseger. Donc, ça se sera fait juste aux secondes de modification pour le moment, forcément. On se rapproche quand même. On conserve le maillot à poids. Tout n'est pas de... D'ailleurs, on n'a même pas fait, c'est vrai. Ouais, j'aimerais juste quand même que le jeu puisse nous remettre au moins pour vous voir un peu ce qui s'est passé. Donc avec Fabio Jakobsen, le néerlandais de la De Koenig Quickstep en 3h07 minutes et 31 secondes. 10 secondes de bonification pour lui dans le même temps. Mais par contre, il prend 6 secondes de bonification, c'est son compatriote, j'allais dire coéquipier. Non, mais un autre néerlandais du team Jumbo-Visma, Mike Tunisson, vainqueur de la première étape du Tour de France en 2019.
Les premiers maillots jaunes, c'était le premier à porter le maillot jaune pour un Irlandais depuis 31 ans, un truc du genre. Et un Audemars français de la cyclisme 3D Team dans le même temps à 4 secondes. Côté classement général, Nasser Bouhanni, le français de l'Arkea Samsic en 6h44 min 11 secondes. Dans le même temps, on a Fabio Jakobsen, le néerlandais de la Deceuninck Quick Step. Et à 4 secondes derrière, on a le néerlandais Mike Tennyson du team Jumbo Visma. Côté classement du meilleur grimpeur aurélien Paris Pantin, 9 points pour la cyclisme 3 des teams le français. Le danois Michael Valgren de l'IF Education Nippo à 5 points et à 3 points Michael pas Michael mais Loïc Vligen pour l'Intermarché Montigobert, le belge. Du côté du classement par points, Nasser Bouhanni 59 points pour le français de l'équipe Arkea Samsic. Pour la Deceuninck Quick Step, Nasser Bouhanni, Fabio Jakobsen, j'ai enfin y arriver, le néerlandais à 59 points aussi. Et un autre néerlandais du team Jumbo Visma cette fois-ci à 47 points, Mike Tennyson. Côté classement des jeunes, Fabio Jakobsen pour la team Deceuninck Quick Step en 6h44 min 11 secondes, 10 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, le danois du team Jumbo Visma. C'est un néerlandais, Fabio Jakobsen. Et le danois Kasper Asgreen du team DSM. Kasper Asgreen. Kasper Pedersen, le danois du team DSM à 10 secondes. En classement par équipe, la Trek Segafredo 20h13 min 3 secondes pour les Américains devant les Sud-Africains de la Kobeka Assos. Dans le même temps, et dans le même temps également, les Ineos Grenadiers, les Britanniques. Alors Kobeka, on les voit pas du tout dans le jeu, j'avais même oublié qu'ils étaient là. Et puis pour le classement de la combativité, Michael Valgren, le danois de l'AIF Education Nippo, 171 km, 139 km pour Edvada Siskevicius, le lituanien de la Delco Marseille Provence KTM. Et belge Loïc Vligen de l'Intermarché Montigobert, 133 km, 139 et 171 pour les autres. 133 également, hein, on le rappelle, pour Loïc Vligen. 139, on le rappelle pour Edvada Siskevicius, et 171 km, on le rappelle pour Michael Valgren, le danois, le lituanien Siskevicius, le danois Valgren, et le belge Loïc Vligen, Intermarché Montigobert pour Loïc Vligen, le belge, à 133 km, à 139 km pour la Delco Marseille Provence KTM, le lituanien Edvada Siskevicius, et le danois Michael Valgren de l'IF Education Nippo, à 171 km. Bon. Étape de plaine qui nous réussissent pas trop, j'ai l'impression, on peut le dire, sur ce tour, enfin sur cet Open Tour, dernier Open Tour mine de rien pour l'équipe. Franchement, ça fait un peu un passement au cœur, hein, de se dire que c'est la fin du jeu. Tout simplement, c'est vrai qu'un jeu qui nous aura presque, qu'on a presque gardé un an. Alors le jeu cette année, ça va durer une semaine de plus que l'an dernier, en tout cas en nombre de jours qu'on l'aura en main. Mais évidemment, vous doutez bien que on va arrêter les vidéos avant, on va les arrêter la semaine prochaine tout simplement, les vidéos sur TDF. Je sais que vous avez peut-être moins envie de voir du TDF forcément vu qu'on est en fin de saison, parce que pour la plupart des gens la saison, notamment McFly et Carlito, ils avaient fait ça, le final saison, c'est pour eux en septembre, fin juin, et ça commence à septembre pour tout le monde. Donc septembre à fin juin, enfin fin ou début septembre jusqu'à fin juin, une année scolaire pour tout le monde. Mais moi c'est début juin à fin mai ma saison sur YouTube, ça c'est particulier. Et bref, là le français Julien a fait de la Deceuninck Quick Step 140 points, 839 points, le français Julien Fibre du team Deceuninck Quick Step, puis 140 PPC, 839 PPC pour Primoz Roglic, le slovène du team Jumbo Visma, et Wout van Aert, le belge du team Jumbo Visma, à 799 PPC. Du côté de notre équipe française, la cyclisme 3D Team, on est toujours leader avec 1999 PPC plus 11 PPC à 1 point de passer et d'égaler la barre des 2000 points quand même, ce qui est une très belle barre à franchir dans le jeu. Côté Jumbo Visma, plus 13 PPC 1685 et plus 13 l'équipe néerlandaise, et l'équipe belge du team de Deceuninck Quick Step à 1618 PPC plus 19, 1685, 1618 et 1999. Putain, la Delco seulement 2 PPC, hein. Et BNB au comme quoi, quand je vous dis que BNB ne mérite pas. Quand je vous dis que BNB ne mérite. Quand je vous dis que BNB ne mérite rien sur le jeu, c'est que j'ai pas totalement tort. Non, je rigole. Mais bon, bref.
Et puis nous, on se retrouve dans le final de la prochaine étape entre Muret et Rodez. Non, Saint-Sulpice et Rodez, pardon. On reste dans le Tarn. Enfin, pardon, on n'est pas dans le Tarn. On est. Rodez, c'est quoi? C'est l'Aviron. Non. L'Aviron. Aviron, pardon. Je vais me faire tuer. Non, Aviron. Alors, c'est un peu vrai que j'ai pas fait les grimpeurs de cette étape. C'est vrai que les classements à la montagne, je les ai un peu zappés. Enfin, même un peu zappés, c'est que je les ai simulés. Mais on est là, par contre, avec David Gaudu en deuxième position. Alors que là, on a une attaque de Simon Clark. Mais devant nous, c'est Aurélien Paré-Pin qui roule. Ah, tactique étonnante de Kubica, c'est-à-dire mettre Pozzo Vivo et William et Clark à l'attaque. Pourquoi pas? C'est oui, non, c'est pas William, c'est Simon, mais bon. Pourquoi pas, et Walshad distancé aussi d'ailleurs au passage. J'ai fait rouler à peu près toute mon équipe, deuxième du sprint intermédiaire du poteau et Carnot démarre. On prend 11 points derrière Mike Tonisson à photo finish. On venait quand même très fort. Et là par contre quand j'ai roulé normalement, bah ça allait. La seule chose que je vais quand même dire à lui, c'est quand même de suivre les attaques. Boum. Et enfin à Romain Bardet et Anthony Turgis. C'est de plus rouler tout simplement, de finir dans les, enfin de rester dans les roues coûte que coûte. Derrière, est-ce qu'on peut revenir? En vrai, il y aurait moyen, mais malheureusement on va pas pouvoir revenir. Quand on a Nicolas Roche derrière qui roule, peut-être pour nous ramener. Nicolas Roche, ce serait vraiment le frère. S'il nous ramène, il nous ramènera normalement. Il va nous rester 4 km 500 un peu moins. Le virage, c'est souvent les mêmes arrivées à Rodez. Enfin, il y en a deux qu'ils ont fait dans le jeu. Il y en a une où normalement t'es tout droit et t'as un petit mur, mais vraiment. Pourtant, c'est la même ascension, mais sauf que la montée, bah, elle est pas très dure. Et là, par contre, ils te mettent la grosse côte. Et aussi, l'arrivée en pleine aussi. Ouais, qu'on a trop. C'était vers là. Hein, ça tournait sur Tour de France 2015. À droite, là, qu'on avait vu la route qui se poursuivait. Allez, on va revenir au pied de la côte. C'est quoi? C'est la côte de Saint-Pierre, il me semble, si j'ai pas de conneries. Avec David Gaudu, on a 3-4 secondes d'avance. On est avec Domenico Pozzo Vivo. Romain, on va juste donner à tout le monde le gel rouge, évidemment. Même à Bardon, on va lui dire, roule à 100%. Allez, bim la côte. Et c'était juste avant, hein, que c'était à l'arrivée sur Tour de France 2019, sur Paris-Nice, dans la partie pleine. Allez, avec David Gaudu, dans le dernier kilomètre à 700 mètres, on est toujours en tête et fort lactique, intense ici. Même si derrière ça revient avec Alex Aramburu, il est chaud. Alex Aramburu, on va quand même lancer encore un peu plus d'un sprint. Il va nous rester 300 mètres avec David Gaudu. Est-ce qu'on peut se faire attraper? Non, on se fera pas rattraper. Victoire française ici, victoire de l'équipe cyclisme, de la cyclisme 3 des teams. Victoire de David Gaudu aujourd'hui à Rodez. Alors, est-ce que c'est, non, je veux dire, est-ce que c'est sa première victoire avec nous? Non, c'est pas notre première victoire avec David Gaudu. On avait gagné une sur Paris-Nice, si mes souvenirs sont bons. Ça date quand même de fin janvier, hein, donc je peux pas me souvenir même du mois de janvier Paris-Nice, hein, sur le jeu, c'est vrai. Où l'objectif c'était déjà au mois de janvier, c'était déjà le premier jour finir la saison. Les champions du monde et à tout le temps de Lombardie, mais c'était aussi après faire la route Corse, puis après les trois jours de la Provence, pardon, puis le Dauphiné, Paris-Nice, également les monuments, et puis la Bretagne classique, et David Gaudu qui s'impose. Le maillot jaune, il est pour David Gaudu, il me semble, et Fabio, il y a comme ça le maillot vert. Pour le Tony Quickstep, encore un autre coureur de l'équipe de la cyclisme 3 des teams, le français Aurélien Paré-Pin, et un autre français de cette équipe cyclisme 3 des teams, David Gaudu. Deux français sur le podium. Franchement, les coureurs français au top du top, auquel il faudra les rajouter à l'avis de Nasser Boigny lors de la première étape de cet épisode. Bravo les gars, félicitations à vous. Je pense avoir tout dit. À peu près, bravo, juste victoire comme on l'appelle, hein. Victoire française ici de David Gaudu pour notre équipe, la cyclisme 3 des teams, en 2h53 minutes et 56 secondes. Notre équipe, la cyclisme 3 des teams, qui aurait été au rendez-vous. 10 secondes de bonification pour lui, 6 secondes de bonification pour Dylan Teuns, le vainqueur de la Flèche Wallonne, deuxième pour la Bahrain Victorious. Lui, les affectionne, les efforts lactiques intenses. Dylan Teuns et puis Rui Faria, Alberto da Costa. Le portugais de la UAE, Team Emirates, dans le même temps, à 4 secondes. Au classement général, David Gaudu, notre coureur français de la cyclisme 3 des teams, en 9h38 minutes et 2 secondes. 4 secondes de modification, 4 secondes, pardon, d'avance sur Dylan Teuns, le belge de la Bahrain Victorious.
le Portugais Rui Costa, Rui Faria, Alberto da Costa, Rui Costa. Donc pour la UAE Team Emirates à 6 secondes au classement du meilleur grimpeur Aurélien Paré-Pan, d'un autre français de notre équipe, encore une fois la cyclisme 3D Team à 9 points. Michael Valgren, le danois de l'IF Education Nippo à 5 points. Et 3 points également pour le Hibligen, le belge de l'Intermarché Montigobert, Michael Valgren, qui verra le Tour de France partir de son pays, le Danemark, dans moins de 2 mois. Fabio Jakobsen, le néerlandais du team de Koenig Quickstep, 66 points. 62 points pour Nasser Bouhanni, le français de la Arca Samsic. Mike Tennyson, le néerlandais du team Jumbo Visma, à 60 points. Au classement des jeunes, David Gaudu toujours en tête pour la cyclisme 3D Team. Le coureur français en 9h38 et 2 secondes, 22 secondes d'avance sur Nel Weiss pour le team DSM. Et Pavel Sivakov, le russe, maintenant sous bannière, j'allais dire neutre, mais non, le coureur français de la Ineos Grenadier à 22 secondes. Au classement par équipe, la UAE Team Emirate en 28h54 et 36 secondes. La Bahrain Victorious, 12 secondes. L'équipe de Bahreïn et l'équipe Emirati de la UAE, et puis l'équipe Astana Première Tech et l'équipe Kazakh à 12 secondes. C'est vraiment un triplé d'équipes, comment on peut expliquer, d'équipes d'état à peu près. Classement de la combativité, Michael Valgren pour l'IF Education Nippo, 171 km de coureur danois. Le coureur lituanien Vadasis Kivicius pour la Delco Marseille Provence KTM en 139 km et 133 km pour le Hibligen, pour l'Intermarché Montigobert, le belge. C'est à peu près le même classement de la combativité, mais les classements n'ont pas trop bougé. On pourra remarquer hein, au cours de cet épisode. Mais malheureusement, cet épisode touche à sa fin juste avant le classement pro cycling individuel. 840 points pour Julien Philippe, le français du team de Koenig Quickstep, toujours en tête, un point d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar du team Jumbo Visma, le français devant le Slovène. 839 points PPC pardon, et 840 PPC pour Julien Philippe, 799 PPC pour Wout van Aert, 41 points de retard, le belge du team Jumbo Visma. Au classement pro cycling par équipe et non classement pour cycling individuel, donc au classement pour cycling par équipe, plus 19 PPC, 2018 PPC pour la cyclisme 3D Team, notre équipe française. L'équipe néerlandaise de la Jumbo Visma à 1685 PPC, puis les Belges du team de Koenig Quickstep à 1618 PPC, qui n'en prête d'ailleurs aucun assez étonnamment, mais on est toujours en tête et on raffole toujours en tête. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, de lâcher votre meilleur like parce que on lâche de liker, commenter, partager, mais lâchez votre meilleur like parce qu'on approche de la fin de cette série, parce qu'il reste plus que 4 étapes à faire, mais 2 épisodes s'ingéreront, bannière de Huchon et Castellon en courant plateau de Baye. Et puis également Prudor, il reste un épisode sur le retour, un épisode sur l'Open Tour et puis un épisode le championnat du monde, Tour de Lombardie. Bref, on s'abonne à mon compte, enfin on s'abonne à la chaîne YouTube, on vient manger sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On active la cloche de notification, like, on partage, on commente, c'était Cyclisme 3D. Prenez soin de vous, ciao ciao, à la prochaine.